Je m'appelle Haïta Etoné, je suis artisane boulangère. J'ai une petite boulangerie à un petit village qui s'appelle Agrippe. J'ai des cousins cardiologues, j'ai un ophtalmo. Mon père, l'Arhamo, c'était mécanicien, il me dit non. Je suis la seule, hein. Et je suis la seule boulangère. Ce qui est bien, c'est la proximité. C'est juste à portée de la main, d'acnomique, quand ça, d'avoir un rhum à tout moment. Et ça, c'est ce qui est très, très bien. Puis en plus, elle fait revivre une activité ici. C'est parfait. Et elle s'est battue pour rouvrir cette boulangerie qui était isolée, pas connue. Mais aujourd'hui, elle s'est fait une clientèle. On vient de partout chercher du pain chez Hayat. Voilà. Une variété maintenant qui commence un petit peu à faire que les clients aiment beaucoup, surtout pain aux olives, au fromage, du pain complet à l'orge. Les gens de plus en plus s'intéressent à ce genre de pain parce que c'est diététique. C'est une fille du village en plus qui s'est installée dans le village et elle a montré quand même qu'on pouvait faire des choses. C'est pas facile de se lever chaque jour à 3h du matin. Jusqu'à 22h du soir, 22h30 du soir, chaque jour, en persistant, en travaillant très bien, en faisant des sacrifices, tout peut arriver.